Alors le trou normand se prend après les deux entrées et avant le plat principal. D'une boule de glace à la pomme et de calvados, du fameux calvados. Voilà. Et donc ça permet la digestion pour pouvoir entamer ensuite le plat de résistance. Les normands, on commence par l'entrée froide, l'entrée chaude, le trou normand, puis le plat de résistance, la salade, le fromage et enfin le dessert. Le café, le digestif. Ouh, digestif, voilà. On peut reprendre du calva. Du calva, en général. Est-ce qu'on prend du calva? Ou de la bénédictine qui est assez locale également. Et donc, ça fonctionne? Et ça fonctionne. Et ce qu'on voit ici, ça, c'est vraiment un dessert? Alors là, c'est vraiment un dessert. Normalement, alors on n'a pas forcément les lamelles de pomme, mais on a une boule de glace en général, une boule de glace avec le calva. Et est-ce qu'on sert régulièrement dans les familles, par exemple? C'est vraiment quelque chose qu'on... Le repas du... Enfin, maintenant, ça s'est perdu, mais en général, c'était le repas du dimanche, quand on était invité. En général, la grand-mère qui faisait à manger, hop, mettait le trou normand. Mais ça se perd, ça se perd. Donc les enfants, ils mangeaient... Alors non, pour les enfants et les personnes qui ne supportaient pas le calvados, c'est juste la... Juste la glace. Juste le sorbet. Voilà. Alors voilà, on décline la pomme sous toutes ses coutures, sous la glace, la tarte, l'alcool, le cidre, le calvados. Voilà, on a tout un tas de produits autour de la pomme.